Et salut à tous, c'est Jamie, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 6 de Mafia. On continue l'histoire, à tout de suite. Un soir, après une journée calme, j'étais tout seul au bar de Salieri à siroter un verre. Et Luigi est venu me demander de lui rendre un petit service. Hé, hey, Tommy, tu connais ma fille, pas vrai? Ouais, Luigi, chouette fille. Tu dois en être fier. Merci, Tommy. Quelquefois, elle m'aide ici, derrière le bar. Le problème, c'est que j'aime pas qu'elle rentre seule le soir. Rien qu'hier, il y a des petites frappes qui lui ont fait des misères. Ils lui ont causé avec des mots qui sont pas pour ses oreilles. Tu vois, je m'inquiète pour Sarah. Et je me suis dit que tu pourrais la raccompagner. C'est pas loin. T'as un gars bien et tout le monde te respecte dans le coin. Les voyous se tiendront peinards si t'es avec elle. Pas de problème, Luigi. Ce sera une promenade de santé. Ah, Tom, c'est vraiment gentil de ta part. J'étais salement inquiet, personne ne les connaît, ces mecs. Viens déjeuner demain midi, je te ferai quelque chose de spécial. Sarah, viens par ici. Sarah, voilà Tommy, c'est un gars bien. Il va te raccompagner pour que ces petits voyous te foutent la paix. Salut. Salut, merci beaucoup. Ce ne sera pas long, je n'habite pas très loin d'ici. Je prends mon manteau et on peut y aller. Ok, je vous attends dehors. C'est vraiment très gentil à vous de m'accompagner. Ces voyous me font peur. J'étais si angoissée. Pas de problème. Pauli et moi, on s'occupera de ces branques un peu plus tard. Allez, c'est parti. On doit accompagner Sarah, on a quoi sur... Alors, vous travaillez aussi pour Don Salieri? Il est très gentil. Et toujours très drôle. Ouais, je bosse parfois pour lui. Mais je le vois pas souvent rigoler et s'amuser. Et qu'est-ce que vous faites exactement? Je fais juste le chauffeur pour Don Salieri. Même si quelquefois j'ai des surprises, comme la fois où il m'a demandé de courir la course. Oui, je me souviens. Vous savez bien piloter. Oh, j'ai surtout eu de la chance. Vous êtes trop modeste. Il fallait plus que de la chance pour battre ces types. Bah, j'étais chauffeur de taxi et ma première course de bagnole, c'était la veille. C'est bien la preuve que vous avez du talent. Ah, peut-être que oui. En tout cas, ça m'a pas fait marrer. Je préfère la discrétion. Hé, hey, mate un peu ça. Ils sont pas mignons. Les voilà. Bah alors, hier soir t'étais seul et maintenant t'as un mec. Les mecs, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de dégager en vitesse sans faire de problème. Si quelqu'un ici a un problème, c'est bien toi, mec. Je vous laisse une dernière chance. Après, je réponds plus de rien. On va voir ça, minable. Au secours! Allez, c'est parti! On nous attaque! Oh. Au secours, quelqu'un, vite! Allez, t'es déjà mort de tout ça. Je spam la touche. Je préfère récupérer la planche parce que la portée est plus longue que le point américain. Tout simplement. Venez par ici, il est leur tête dessus en recul. Hein. On était trop en prendre dans la gueule. Ah, je suis désolé pour le bruit de la souris, un petit peu. Oula, il se ramène celui-là encore, un nouveau. Hop. Voilà. Rappliquez tous et en vitesse. Rappliquez tous et en vitesse. Oh, connard. Ah, te voilà. Merde, mes jambes. Ouais, bah je vais te les casser tes jambes là, tu vois. Oh. Ça va te faire bizarre. Alors, un en moins. C'est la dernière fois que tu fais ça. Oh. Si on laisse appuyer comme ça, hop, on balance plus fort le techniquement, mais bon. Est-ce que ça sert beaucoup? Je ne sais pas. Et ouais, parce que lui, il me shoot au passage. Putain, il est incroyable ce gros. Venez par ici. Au secours. Ah, voilà, casse-toi. Oula, Sarah a perdu la vie. Qu'est-ce que t'as mis en dessous? Tu veux voir ce que c'est qu'un vrai mec? Au secours, quelqu'un, vite! Putain, c'est pas fini encore, il s'est blindé quoi. L'autre il s'est barré, ça c'est rapidement, ça c'est pas mal. Putain! Et l'autre il gagne une batte, ça par contre ça ne plie pas trop, ça ne plie pas trop. Hop, attention, hop, petit. Parce que du coup lui il a un peu le même style d'arme que moi quoi. On nous attaque! Tenez, le voilà! Au secours! Prendre un maximum de... On nous attaque! Enfin, un minimum de coups plutôt! Allez, casse-toi! Venez! Foiré! Je crois que t'en as pas! On nous attaque! Ah, putain, surtout que la batte ça va faire mal! Tenez! Au secours! La batte ça va faire mal!
Allez, cassez-vous, là. Venez ici. Je l'ai. Pauvre Sarah. Non, ce malade. Oh, non, non, moi, la police, ah, à l'aide. Putain, si j'avais un flingue, ça serait passé bien autrement. Aïe. Oh, pardon, Sarah, excuse-moi. Oh, merci. Si vous n'aviez pas été là, je ne sais pas ce qui serait arrivé. C'est rien, Sarah. C'est normal. J'ai vraiment eu très peur. Ça va, Tom? Venez, on est presque à la maison. Je vous examinerai là-bas. Ah ouais, t'as une femme et des gosses et tu veux violer des pauvres femmes dans des ruelles, quoi? Connard. Je t'apprends la vie, moi. Non mais oh. T'inquiète, elle est avec Tommy maintenant. Hop. Ah, oh, je suis trop. Pas de finir, toi. Hein. Ah, tu mérites, tu mérites. Ah, t'es trop jeune pour mourir. Oh. Ah ouais. Tiens, voilà. Foiré. Bon, on était où, Sarah? S'il pouvait se faire écraser par un tramway, votre en face, ça serait pas mal. C'est la prochaine entrée. J'habite seule. Ma mère nous a quittés peu après ma naissance. Vous travaillez aussi avec Polly? Il est très drôle. Ouais, c'est un petit rigolo. J'ai toujours dit qu'il aurait pu être acteur. Quelquefois, il est vraiment bizarre. Il me donne la chair de poule. Je me demande comment on peut changer d'humeur aussi vite. Il a dû beaucoup souffrir dans son enfance. Ouais, il a reçu plus que son compte d'emmerdement. Il a grandi dans la rue, et ça rend pas très gentil. Et il a appris à pas faire de cadeaux aux mecs qu'il connaît pas. Mais il est vraiment très reconnaissant à Don Salieri. Je sais pas ce qui lui serait arrivé si celui-ci l'avait pas pris sous son aile. Oui, Don Salieri a aussi aidé mon père. Je le considère comme mon grand-père. Ouais, Don Salieri est un type bien. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu Polly et Sam, là. On fait des missions un peu en solo, tu fais quoi On fait des missions un petit peu solo en ce moment. On sait pas où est-ce qu'ils sont les deux. Bon, nous y sommes. Entrez. Voici mon royaume. Entrez et mettez-vous à l'aise. Je vais examiner vos blessures. Plutôt chouette comme royaume. Remontez vos manches, soldats. L'infirmière arrive. Bien, voyons ça. Ça n'a pas l'air très grave. Ouais, j'en ai vu d'autres. C'est rien. Attendez une seconde, je vais nettoyer. Voilà, je parie que vous n'avez rien senti. Merci. C'est plutôt à moi de vous remercier. Voulez-vous boire un verre, Tom? J'ai rien contre un fond de scotch, si vous avez. Bien sûr. Ça commence à devenir intéressant. Mon Dieu, Tommy. Un peu de tenue. Votre verre, mon héros. Vous aimez swinguer? Quoi? Vous aimez danser? La musique? J'ai un gramophone. Ouais, j'aime bien la musique. Les hommes de Salieri sont durs avec tout le monde? On essaye d'être gentil de temps en temps. Certains d'entre vous, peut-être? Juste quelques-uns. Et vous êtes un des gros durs de Salieri, vous? Ouais, ça m'arrive. Moi, je crois qu'au fond, vous êtes bon. Ouais, mais vraiment au fond, alors.
Sarah était un ange. J'avais connu pas mal de poupées avant, mais là, c'était vraiment différent. Rien à voir du tout. Et je savais que si je devais passer le reste de mes jours à la colle avec une garce, ce serait avec elle. Avec une garce ? Mon Dieu, Tommy. Écoutez, on va s'arrêter là parce qu'après ça passe à l'épisode suivant. Voilà, la mission suivante. Voilà, donc il y a des missions assez courtes, des missions assez longues. Donc c'est un petit peu compliqué, même si j'aurais bien aimé essayer de garder le même temps pour chaque vidéo. Ça va être un petit peu compliqué. Donc voilà, excusez-moi s'il y en a des plus courtes que d'autres. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Donc on a Pécho Sarah. Je sais pas si son père va être très d'accord, mais écoutez, on lui a bien sauvé la mise, quand même. On a sauvé son petit berlingot. Donc écoutez, je vous dis à tous, bye bye, et on se retrouve pour de prochains épisodes sur Mafia. Salut à tous.